Et coucou, aujourd'hui nouveau vlog, donc je me trouve derrière le site mémorial des Mills qu'on va visiter. Là, je vais vous montrer quelques extraits de journaux. Donc là, si vous ne voulez pas lire, vous pouvez passer. Je vais vous mettre toutes les dates clés de la montée du nazisme. Là, je me trouve au sous-sol. Je vais vous montrer en fait ce que vivaient les déportés. Ils étaient tous entassés dans le sous-sol, dans la pénombre, et donc ils devaient habituer leurs yeux.
sachant que là on a un petit aperçu puisqu'on a des lumières un petit peu pour voir le sol et pas qu'on soit dans la nuit complète. Mais il faut imaginer que toutes les lumières qu'on voit là n'y étaient pas. Ils étaient complètement plongés dans le noir, entassés. C'est assez choquant d'être dans un lieu comme ça et de se rendre compte un peu de ce qui se passait avant. Alors, il y avait quelques ampoules qui étaient données, mais elles soignaient plus la pénombre qu'autre chose. Il n'était impossible de lire malgré qu'il y avait des portes pour la luminosité. Et surtout, ce qui souligne les personnes qui témoignent, c'est qu'il y avait énormément de poussière, puisque beaucoup de personnes étaient là, donc ça piétinait, ça rendait le sol instable, et donc il y avait une constante poussière toute la journée.
On vient de finir à l'instant la visite. Honnêtement, donc il n'y avait personne puisqu'on est allé fin de journée. C'était un lieu qui est rempli d'histoire et c'est quand même assez pesant et lourd de savoir en fait tout ce qui s'est passé dans ce lieu-là. Mais c'est quand même assez beau à voir en fait de voir les personnes qui ont survécu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochains vlogs.